Bonjour et bienvenue dans cette toute petite vidéo. Juste pour vous signaler que j'ai repris mes mauvaises habitudes, non, mes bonnes habitudes du dernier épisode et que j'ai trouvé. Ah zut, je me déplace trop vite. J'ai trouvé un nouvel endroit, pas très 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 loin de mon village principal, où j'ai pu faire. Oh là, qu'est-ce qui se passe par ici? Où j'ai pu faire mon élevage de tatou. Et vous voyez. C'est quand même super simple de les rassembler. Ah non, il y a un petit blocage. Voilà. Donc, un œil d'araignée pour les attirer. Et vous vous retrouvez très rapidement avec le nécessaire en écaille pour faire tout ce qu'il faut pour protéger les loups. Voilà. Donc ce petit espace, je l'agrandirai certainement lors de mon prochain passage. Alors le truc c'est qu'il faut profiter parce que les écailles vont pas rester. Ah, il y en a encore un là. Bon, c'est assez terrible hein, parce qu'en fait quand vous trouvez le bon spot, vous allez avoir très très rapidement des tatous qui vont apparaître. Vous les attirez avec un œil d'araignée et voilà, vous êtes à la tête ensuite d'une production d'écailles de tatou pour faire les armures pour vos loups. Donc quand je vous disais vous trouvez la zone, ben voilà, en fait hein, il vous suffit de trouver une zone de savane. Donc là, savane en hauteur, j'ai le sentiment, mais je sais pas une certitude, qu'on en trouve, on trouve plus de tatou dans cette zone ici plutôt que. Oh, je suis passé loin pourtant. Plutôt que juste en bas là-bas. J'ai fait une petite traversée comme ça. J'ai découvert un village là-bas tout au fond. Mais je ne me suis pas installé parce que j'ai encore un village en cours de développement dans le secteur là-bas. Mais je voulais passer par ici. Je me suis fait une petite cabane. Une petite installation. Un lit. Hop. Et on pourra y revenir tranquillement. Pour revenir chercher de quoi faire des armures pour les loups, ça veut plus. Voilà. Alors ici c'est bon, ici c'est bon. Là c'est bon aussi. Ça c'est raté, c'est pas grave. Voilà, on peut repartir. Ah, je vous disais, petite vidéo très très rapide, juste pour ça. Mais pour vous donner quelques éléments, j'adore le fait qu'ils ne supportent pas qu'on se déplace juste à côté d'eux. Et vous voyez. Ah zut. Pousse-toi. Voilà, j'ai refait encore le plein. Et je suis déjà à 5, donc il m'en manque plus qu'une pour pouvoir faire une armure. Non, bah voilà, ça sera. Si, non. Allez. On est reparti. Et comme vous pouvez le voir, des tatous, il y en a vraiment un maximum dans cette zone-là. Ça y est, j'ai mon sixième. Oui. Donc je pourrais faire mon armure. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est encore une écaille. Donc vous restez une petite journée aux alentours et vous allez pouvoir faire le plein et récupérer le nécessaire. Pour faire des armures pour vos loups apprivoisés. Voilà, c'était très très rapide, mais c'était pour faire ce petit point-là. Je retourne au village que l'on voit là-bas tout au fond, et puis j'ai un nouveau village juste à côté, et encore un autre village un petit peu plus loin par là-bas. On reste sur des villages type plaine que je développe. Comme d'habitude, avec un maximum de villageois, ce qui me permet, vous l'avez peut-être vu ici, d'être donc là niveau 58, d'avoir un équipement plutôt pas mal. Hein. Ici, j'ai bien fait, et il me reste encore toutes mes armures à refaire. Voilà, et bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et des informations plus complètes sur cette partie. J'attends aussi effectivement qu'il y ait
une nouvelle snapshot. Pour l'instant, ce n'a pas été le cas. Donc, pas de nouveauté. Je suis retourné rapidement voir le bug et me prendre quelques flèches empoisonnées. Mais bon, rien de nouveau. Il est toujours aussi faible quand même. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut !